Crazer et bienvenue dans Crisover Game. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone. Vous voyez la boutique est fermée parce qu'il y a des petits bugs pour certains pour avoir la seconde aile de Nax. Donc cette fois-ci on va refaire l'aile en mode héroïque. Donc vous allez voir, les boss sont assez chauds. Je vous ai mis les decklists sur la droite juste pour que vous puissiez refaire les decks si vous n'arrivez pas à passer ces maudits boss. J'ai essayé plusieurs decks différents et franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Donc là, on prend Nos Héroïque. Et ça, il va payer les frais de note. C'est une reprise, hein. C'est le gros méchant qui le dit. Jaina contre Note le porte-peste. Encore une arme pour ma collection. Vous l'avez cherché. Donc le but de ce combat, c'est de gérer les ZADs en les glaçant, en les bloquant, en les tuant pour certains. Mais de poser le moins d'ZADs possible. Parce qu'il a une compétence pour zéro qui dit qu'à chaque fois qu'un de nos monstres à nous meurt, il fait pop un 5-5 squelette. La decklist n'est pas super top qualité, mais bon, on voit à peu près ce qu'il y a dedans. Donc, ne pas hésiter à lui mettre des POC à 1 de temps en temps. J'aurais peut-être dû garder mon Ice Bolt pour ça. La pioche et la vie. Une hospice funeste et un éclair. Très bien. On peut se prendre quelques petits dégâts, hein, ça gêne pas. L'important c'est de gérer les monstres. Donc on va poser le bloc de glace pour être sûr et on commence à entamer le petit, ce petit là. Pourquoi? Parce qu'en fait quand il meurt, il inflige 1 à tous les serviteurs. Donc ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On métamorphose son truc. Ah. Et on lui inflige 1. Et il a dans sa main maintenant 2 moutons 1-1. Et vous voyez, ça coûte 0. Pour 0, une 1-1. En fait, c'est un peu comme les feux follets, quoi. Donc, on a récupéré un cône de glace. Que faire, que faire? On va poser lui. Si je le fais péter, ça lui donnera une 1. Ça lui donnera une 5-5. Et je fais quand même péter. C'est une 5-5. Que je gèle tout de suite. Vous voyez, j'ai l'archimage en main, tout va bien. Tout ce qu'il faut, c'est que je puisse le poser et me protéger en même temps. Donc je prépare la mort du guerrier squelette. Vu qu'il faut que j'inflige 2 au gros ton. C'est une 4-4 qui, quand il meurt, il inflige 2 à tout le monde. Tous les autres personnages, contrairement au petit 1-3 qui inflige 1 à tous les serviteurs. On bloque, mais c'est Counterspell. J'utilise des gros sorts
pour une raison à la con en fait. Parce que je garde mon Ice Ball pour pouvoir le jouer avec le. Avec le chef. Et il spawn. C'est abusé comment il spawn. Je vous donne ce truc là. Ça active un secret, counter spell. Je lui éclaire de givre son piocheur. Et je mets une auspice funeste. Alors pourquoi je mets une auspice funeste? Parce qu'en fait, les IA sont à peu près intelligentes. Quand il y a une auspice funeste qui est là, s'ils peuvent pas la détruire, ils ne sortent pas de personnage. Donc ça va lui donner une 5-5. Et ça va surtout dupliquer son 1-2. Mais bon. C'est à mon tour de jouer. Je pose le gros chef. Et je gèle la 5-5. Ce qui me donne une fireball grâce à mon archimage. Et je lui inflige 1. Et là vous allez voir, ça va être la pluie des fireballs. Tout le reste du combat. Je vais faire que ça. Ça ou des chocs de flammes. Parce que là je peux me débarrasser de tout ce qu'il y a sur la table avec un pauvre petit choc de flamme. Voilà, choc de flamme, ça me donne une fireball. Et pour 1, j'ai détruit son squelette. Et je peux attaquer. Il me remet sa 4-4 qui inflige 2. Alors, je les cone deux fois les deux, ce qui me donne une fireball. Je lui inflige 6 avec une fireball qui me donne une fireball. Et je lui inflige 1. Alors celui-là il peut pas être cible de sort et de pouvoir héroïque. Il est super chiant. Donc. Comment que je mets à jour? Et pioche, ça me donne une fireball. Bon bah j'ai assez de mana pour les geler. Alors j'ai gel. Voilà. Et oui, encore mort. T'as bien compris, madame. Au combat. Donc je détruis. Ça m'inflige 2, ça inflige 2 à Horeb et ça inflige 2 au méchant. Il me tue mon grand sorcier. C'est pas grave, j'ai 6 fireballs dans la main. Six fireballs et une explosion pyrotechnique. Donc je recommence, je lui inflige 4. Et je pose une armure. Vous allez adorer ma nouvelle recette. Armure. Donc il a changé les points de vie et l'attaque de son. Du mec qui est insensible au pouvoir héroïque et au sort. Donc maintenant c'est une 2-4 au lieu d'être une 4-2. C'est pas grave. Donc maintenant j'ai l'armure. Je détruis ça. J'ai l'armure, je peux mettre des fireballs dans la tête. Parce que, hop, rebarrière de glace, bien sûr. Pouit. Il me poke à 2. Poke à 2. Là, j'ai, grosso merdo, 24 points de vie et un petit rab. Donc ça devrait aller. Il me reste 8 points de vie à faire. À part s'il me pose un contre-sort, je le fais. Donc, il me reste 1 point de vie. J'ai un bloc de glace qui vient dans la main tout seul. Attaque pyrotechnique. Ça passe. Et ça tue. Eh non, bloc de glace. Alors j'aurais dû faire deux fireballs, mais. Ce qu'ils vont voir.
C'est tellement petit d'utiliser deux fireballs pour le mettre à deux points de vie. Donc une fireball, une autre fireball, et il est mort. Je préconise le mage parce que c'est vraiment une classe qui n'a pas vraiment besoin de d'AD. C'est une des rares classes qui n'a pas besoin d'AD du tout. Alors oui, je me trompe de bouton, hein, c'est pas grave. On va jouer un prêtre un peu sympathique. Anduin contre Egan l'impur. Vous pensez être en sécurité? La lumière nous apportera la victoire. Je garde tout. Alors je garde les contrôleurs parce que le but de ce perso, enfin de ce boss, il a une compétence qui pour 0 inflige 3 chaque tour au serviteur le plus à gauche. Donc le but c'est de laisser avoir 4 serviteurs, en piquer un et ainsi de suite. Et bien sûr, sans oublier de se soigner. Alors je pourrais détruire son. Sa 3-4, mais elle a une capacité spéciale qui dit si je meurs, je pose un démon de votre main gratuitement sur le talon. Donc, j'ai pas envie de me retrouver avec une 5-7 gratuite. Bien sûr, il n'y a pas les désavantages, hein, il n'y a pas les. Comment on appelle ça les deux cartes discardées du coup du garde funeste. Hein. Donc ça y est, là il a 4 il y a 4 serviteurs, donc je vais pouvoir lui en piquer un. Hop. Et j'ai pris un gang regard, donc c'est sympathique. Et voyez, ouf, il est mort mon pote. Et en fait, ça m'a permis d'éviter 6 attaques et ça lui dirait un garde funeste. Donc, je peux pas le refaire parce que voilà. Faut qu'il tombe là-dessus. J'ai pas de démon en main, mais c'est pas grave, je vais détruire ça. Et c'est à lui. Je préfère détruire, vous voyez, il me reste 16 points de vie, il lui en reste 39 après son attaque, voilà. Donc, il a 3 fois plus de PV que moi, ça pue. On va se soigner en détruisant un follower. C'est toujours bon de regagner 5 PV. Et moi je viens d'ailleurs. Oh. Alors, on va poser les neufs. Poser la copine de Shenai. Et lui rajouter des points de vie à la copine de Shenai. Les neufs, ils vont se faire détruire direct. Voilà. C'était le but, hein, c'est pour avoir une 4-4. Et il me fait une prêtresse de Shenai et il a re 4 4 followers. Et moi j'ai 7 points de vie. Alors je préfère une Nova. Je détruis sa prêtresse. La Nova ça m'infligerait des dégâts. Donc je prends le contrôle de ça, j'ai fait le con, hein, je vous le dis tout de suite. J'attaque ça. Je détruis ça. Je nettoie ça, voilà. Parce que c'est jusqu'à la fin du tour que je le prends. Donc vaut mieux que je nettoie. Et ma 4-4 elle meurt. Ça, ça affiche 1 à tout le monde, c'est fort. Donc, je
J'inflige 4 à tous les serviteurs. Et je la détruis. Pour 2, je me soigne. Pour 6, je lui colle 5 et je me soigne de 5. Ouais, parce que si j'avais encore la prêtresse, je lui collais 5 et je me collais 5. Vu qu'à l'inverse, les pouvoirs de soins. Je me soigne et je passe mon tour parce que j'ai pas Nova un mec. Toi si je suis vraiment obligé. Je suis obligé. Ah comme il dit. Donc là petit problème c'est que il gagne des PV tous les tours. Donc je pose mon érubien pour qu'il fasse le café. Et je passe mon tour. Mon avion devient une 4-4. Et si vous regardez, il commence à se vider la main. Donc techniquement, ça devrait passer. Je détruis ça. Non. Une seule furie pour lui donner la protec. Une autre seule furie pour donner protec à la protec. Je me soigne. J'ai fait l'erreur parce que là j'aurais pu faire une Nova, donc cleaner la table et soigner de deux mon mec, puis le re-soigner, ça aurait fait qu'il resterait encore en vie. Mais bon. Il me pique ma seule furie. On s'auto-kill, voilà. Et ça va éviter ça, par exemple. Donc, on met le pied de lumière pour qu'il tank. Je me soigne. Je détruis sa Soul Fury Protect. Et je me soigne. En fait, pourquoi il tank? Parce que tous les tours, il va soigner quelqu'un de blessé de 3. Sauf que, une plaie funeste. Une deuxième plaie funeste. Donc là, qu'une seule technique, on soigne et on passe notre tour. Il y a rien d'autre à faire. Si je pose une plaie funeste, il me la détruit, donc ça sert à rien. Et partout ailleurs. Ah, ça y est. À nouveau 4 mecs et il a la main vide. Donc, je lui pique. Je lui ai pas piqué un super truc, mais bon. Que faire, que faire? Vous aimez jouer avec le feu! À chaque fois que j'en sors, tout le monde prend un. Lui meurt, voilà. Et j'ai pas eu encore mes cartes de je vole deux cartes à un adversaire, nanana. Donc ce qui fait que j'ai pas pu piocher dans son deck. Et ça c'est con. J'attaque là-bas. Je le tue. Je mets une hospice funeste pour tanker. Je soigne tout le monde. Et je me soigne moi. Oui, parce que soigner tout le monde, ça inflige 1 quand même grâce à mon héros. Donc ça détruit son petit connard qui donne 1 point de vie à tout le monde. Hein. Enfin, 1 point de vie de temps en temps, chaque fin de tour. Il me nettoie ma table. Mais il nettoie ma table sans me nettoyer moi. Nova, ça nettoie sa table, ça me soigne, ça lui inflige des dégâts. Je suis toujours à 14 points de vie et il est à 23. J'ai déjà retiré 16 points de vie comme ça à l'arrache. Donc je m'en sors pas mal sur ce coup là. Je me soigne. C'est un combat long. Ekan et Oreb, c'est assez chiant. C'est les combats les plus longs de ce truc, de cette extension. Pour l'instant. Donc j'ai pioché dans sa main. Donc, je me soigne.
je mettrai un... Comment que ça s'appelle déjà ça? J'ai oublié comment ça s'appelait. C'est beau. Tchoupi tchoupi tchou. Je lui détruis son 3-4. Il a rien dans la main. Parfait. Ah voilà, un infernal. Donc là, il me reste 8. Je pourrais mettre ça plus l'infernal. Mais je me soigne. Et je passe mon tour. Ça sert à rien de presser les choses. C'est que de la perte. Il faut. Chaque tour, faut se soigner. Y a pas à chier. Donc ça pour tanker. Et ça. Ce qui est une mauvaise combo, j'aurais dû faire l'inverse. Mais bon, c'est pas grave. Je lui donne plus 2. Voilà. Parce que là, il m'inflige 3 sur mon. Sur mon truc, ce qui fait qu'il peut me le détruire. Voilà. Et il donne plus 2, plus 2. Et il inflige 4 à mon monde infernal. Et il enlève un truc de très bien qui permet de piocher 2. Un vol d'esprit, le deuxième. Hop. C'est parfait tout ça. C'est presque parfait, on va dire. Lui, il attaque là. Je pose le carte funeste ici. Comme ça, il tankera. Et je soigne mon infernal. Et là, j'ai la possibilité de lui mettre 13 dans sa bouche. Bon, je la fais pas à chaque fois. Hein. Donc, je donne plus de points de vie à mon garde funeste. Je le soigne, parce que c'est swag de soigner son garde funeste. Et je lui mets 13. Donc mon garde funeste se prend 3. Il attaque mon infernal et il le tue. Presque plus de cartes. Et j'ai beaucoup pioché. Donc je lui détruis son infernal, je me soigne et je lui affiche les 5 derniers points. Alors ceux qui ne connaissent pas Nax, ce boss là en fait faut danser. Il invoque des flammes et il faut passer d'une lune à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il fait cette petite, ce petit clin d'œil au raid initial. Mais bon. Donc ce combat est assez long, assez chiant, mais on va passer au raid, vous allez voir, c'est un peu plus marrant. Je sais, j'ai mal écrit au Reb, j'ai mis qu'un seul R. Je ne peux pas le dire. Alors, le deck. Le deck présent là est un tout petit peu différent de l'autre. En fait, on a rajouté du soin. Du soin par follower. Pour une raison tout con, c'est qu'il fait. La technique de base qu'il a. Qu'il n'utilise pas forcément en première dans ses parties, lui il l'utilise en dernier. Il inflige 3 au héros adverse. Donc on soigne de 2 par tour, donc au final on s'est quand même défoncé. Donc j'ai détruit son protecteur. Et vous voyez, il a 99 points de vie au départ. Hein. C'est quand même le boss du raid, enfin de cette aile. Donc il faut pas abuser. Donc la Nova Serpa, je vais mettre lui et je vais me soigner. Alors si vous regardez, la prêtresse d'Oshena, il n'y est plus. A été remplacée par une autre prêtresse qui est 3, qui est pour 3 et 3-3 et qui donne 3 points de vie quand elle arrive. Allez, moi j'en ai plus que 10 là direct. Là. Donc maintenant que j'ai ça. J'ai toujours pas assez pour. J'ai posé des nœuds neufs. Et je vais me soigner. Je vais détruire sa boule qui gagne plus 1 par mort. Et j'ai passé mon tour. Il inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses et invoque un sport. Le sport, comme dans la version normale, il donne plus 8 à chaque. À chaque allié adverse, donc chez moi. Donc on fait une Nova. Voilà. Donc
J'ai une plus 16 et une plus 20. Donc, je le détruis lui pour éviter de tuer mon sac à œufs tout de suite. Je soigne. Et je lui affiche chaise. Une copie m'a 27. Et il m'inflige 3, bien sûr. Alors, ça, c'est très tendu contre Aurel parce que sur ce combat-là, je vais jouer justement au fait d'être bas en vie. Et ça va être assez chaud pour moi. Donc là, je fais le con, je donne plus de points de vie à quelqu'un que je vais sacrifier. Eh ben non. Ah. Tant qu'à faire, j'ai plus une 16-2, j'ai une 4-4. Il recopie ma 29, ce qui est assez chiant. Et vu que je suis le seul à être blessé, le puits de lumière me soigne moi directement. Donc là, je joue une 5-4 qui rend 4 points de vie. Donc je passe à 9. Je détruis sa 29 parce que sinon il me tue. Et je lui inflige 4. Il me remet sa protec. Un cheval de la mort. Un destrier de la mort. Et il m'inflige 3. Et il va m'infliger 2. Voilà. Et je me soigne de 3. J'ai un deuxième puits. Ouais. Je le mets. Je copie ses cartes. Bonne carte. Mais pas tout de suite, faut que je me soigne. Je tue. Voilà. Et je pose un petit con qui lui infligera 2 quand il meurt. Il me pose 2 goules instables, qui, donc 1-3 protec qui inflige 1 quand ça meurt. 1 à tous les serviteurs, je précise. Et là, ça commence à soigner aussi autre chose. Vu qu'il y a d'autres blessés que moi-même. Donc, là... Que faire? Je soigne mon petit 4-3, vu que j'ai assez PV pour ça. Sous mon diabotin... Je vais le faire vivre un peu plus longtemps. Voilà. Il va quand même mourir, hein, mais c'est histoire de dire. Et c'est là où j'ai fait le con. C'est ce tour-ci où j'ai fait le con. Détruit son protecteur, ce qui fait que sa goule elle prend 1, mais voilà, il reste un point de vie à sa goule que je prends. Et oui, elle n'a plus assez de force, et en fait j'aurais pu tout nettoyer si j'avais pris la goule avant de commencer mes attaques. Et en fait, là, eh ben, le chevalier retourne de son côté. Il inflige 5 à un de mes puits soleil. Et il m'inflige 3 et 2. Donc là, le puits, il soigne la copine d'à côté. J'ai une flamme. Bien. Ça va me guérir de 5, la flamme. Donc je détruis son sport pour avoir plus 8. Voilà. Je tue le breton en me sacrifiant. Je tue lui. Et je me soigne. Il me pose une ombre de Naxxramas. Naxxramas est nôtre. Le puits qui soigne tout seul. Je me soigne moi-même. Je pose le 9, je pose l'ombre. Et j'inflige 8.
Et pour un boss qui commence à 99, j'ai déjà mis 60 points de dégâts et, moi, et là je suis à 5 points de vie quoi. Donc ça... Ça me reçoit, là j'ai une 3-3. Pour l'instant ça me sert à rien, je me soigne. Ça me sert à rien de garder une 3-3, je la tue. Voilà. Ça évite de me prendre des gros dégâts vu qu'il a plus qu'une carte par une carte. Là, il soigne moi encore une fois et j'ai une Nova. 1 pour 2, je me soigne. Je Nova tout. En fait, je gagne plus de moins 2. Mais mon puits de soleil, c'est aussi. Ceci vu soigner parce que sinon je perdais mon puits. Mon puits se soigne, donc c'est une 8-5. Je vais copier ce qu'il a dans la main. Donc je peux faire les deux. Donc je pose des épées. Et je me soigne. Je vais détruire son truc. Ce qui fait que j'ai une 8 et une 12. Sauf que la 12 elle dort encore. Il m'inflige 3, il a détruit mon puits de soleil qui était là depuis très longtemps. Hein. Il est quand même là depuis le début mon puits du soleil. Donc je détruis avec une capacité de prêtre son spawn. Je me soigne parce que j'adore ça. Et je lui inflige 20, puis 16 avec des 5 à eux. Et on a fini au Reb. Donc vous voyez, vous avez la déclée sur le côté. Si vous n'avez pas assez de soins dans votre tête, vous tiendrez pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est un combat assez long, assez dur. Même avec ce deck-là, j'ai mis plusieurs fois pour réussir à le faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, amusez-vous. Et bon jeu à tous!